Les amis, comment allez-vous? Bien, chez le pas. Bon, mon film affiliate, cette semaine, j'ai reçu les nouveaux produits pour 2023 et bonne nouvelle, ils seront déjà accessibles au moment où je te fais la vidéo. Alors, pour une fois, j'ai bien dit pour une fois, que je trouve que cette année, il y a de l'innovation. Alors évidemment, je vais pas tester tous les produits en une seule vidéo. Aujourd'hui, je vais tester un produit, tu verras, c'est vraiment dingue. Et par la suite, évidemment, je testerai les autres produits. Ok? Donc, alors, le produit en question, c'est celui-ci, le Synergy Boost. C'est tout simplement un scellant sur base de céramique pure. Et l'avantage de l'avoir pur, c'est qu'on peut le mélanger avec d'autres produits. Alors, quel est l'intérêt de ce produit? Eh ben, comme je te l'ai dit, ce produit-là, il va se mélanger à plein d'autres produits. Alors déjà, dans un premier temps, si par exemple, tu as traité ta voiture avec une céramique ou alors la Synergy Light, la 1 ou la 2, et bien à ce moment-là, avec le scellant que tu vas mettre dans un canon mousse ou dans ton seau, en fait, ce produit-ci, le scellant, va faire perdurer ta céramique. Il y a un autre avantage aussi, par exemple, tu vois, moi, ce shampoing-là, je l'adore. C'est le Carpro Reset, donc c'est un shampoing neutre. Par contre, il ne déperle pas. Ce qui veut dire que si demain, tu adores un shampoing, mais tu voudrais avoir un effet déperlant, et bien sache que ce produit-là, tu peux le mélanger avec tous les shampoings que tu veux. Ce qui fait que tu auras un effet déperlant et ensuite une petite protection du scellant. Alors après, évidemment, si tu le mets dans un shampoing neutre, ton shampoing neutre va se transformer en shampoing cirant, évidemment, parce que là, on est sur un scellant sur base de céramique. Mais tu vas lui apporter un effet déperlant. En fait, ce produit-là, il va s'appliquer pratiquement à tous les produits. Donc pour ce faire, on va tester ça sur la voiture et tu verras, c'est une dinguerie. Et j'ai oublié aussi que tu peux en faire un spray wax, c'est-à-dire que tu vas prendre 10 à 20 ml de produit, tu vas le mélanger avec de l'eau, moi je prends de l'eau déminéralisée, et ensuite tu vaporises et ça te fait une cire express. Tu peux en faire un hydrocoat dans les stations de lavage, hein? Tu peux le mettre dans ton canon mousse, tu peux transformer un shampoing neutre en shampoing cirant, tu peux transformer un shampoing qui ne déperle pas en shampoing déperlant, et tu peux en faire un spray wax. Elle n'est pas belle la vie? Bon, pour le test, on va déjà commencer avec le canon mousse. Donc pour ce faire, c'est très simple. Alors tu peux prendre le canon mousse avec le Karcher, le canon mousse manuel, le canon mousse comme celui-ci par exemple avec batterie. Bref, tous les canons mousse que tu veux. Voilà. Donc dans un premier temps, évidemment, j'ai déjà versé l'agent moussant. Ensuite, je prends mon shampoing neutre qui va se transformer en shampoing cirant. Alors évidemment, ça a plus d'intérêt de le mettre sur un shampoing brillant mais qui n'a pas d'effet déperlant, plutôt que, parce que généralement quand on met un shampoing neutre, c'est qu'on veut qu'il reste neutre. Voilà, évidemment. Voilà, donc là je vais mettre environ 60 ml de shampoing. Voilà, et pour le moment, j'applique pas le produit. Pourquoi? Parce que déjà, on va le tester sans le boost et ensuite on va le tester avec le boost et tu verras l'effet déperlant et peut-être la brillance elle sera rehaussée. OK? Évidemment, c'est assez lent. Bon, comme tu peux voir, on va tester ça sur la M2 qui est revenue à la maison. Alors évidemment, elle est toujours en vente chez Télécar Premium, Bertrand Luxembourg. Voilà, mais en attendant, je l'ai récupérée. Alors comme tu le sais, j'ai une céramique sur la voiture, je l'ai fait sauter. Comme tu as pu le voir en début de vidéo, j'ai fait sauter la céramique qu'il y avait sur le capot. Donc comme tu as pu voir, j'ai délimité le capot en plusieurs parties. Cette partie-ci, je vais la traiter uniquement avec le shampoing et l'agent moussant, sans le produit. Cette partie-ci, on va rajouter le scellant boost dans le canon mousse. Et cette partie-ci, on va s'en servir comme pour tester le QD. Dans un premier temps, on va tester l'effet hydrophobe, s'il en reste ou pas. Bon, ça, il peut en rester encore un tout petit peu, mais ça doit être léger. Voilà, là, tu vois, on a une nappe et tout. On a encore un tout petit peu, mais vraiment. Ensuite, de l'autre côté. OK, tu vois la grosse nappe. Il n'y a plus l'effet déperlant. Bon, alors. Bon, par contre, changement de programme. Shine, c'est quoi ça? Voilà, donc du coup, il m'a lâché. Donc, soit je le transvide dans le Karcher. Le problème, c'est qu'il est tard, hein, parce que moi, je fais des vidéos tard. Donc, du coup, je vais réveiller tout le monde. Ce que je vais faire, je vais transvider ça dans un seau et je vais prendre l'éponge. De toute façon, ça aura le même résultat que dans le canon mousse ou le seau. C'est pareil. OK. Shine, oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le truc de chez Wish là? OK, donc là, j'applique le shampoing, donc agent moussant et le shampoing neutre, tout simplement. Il n'y a rien dessus, absolument rien. Et ensuite, je vais réappliquer le scellant pur. Donc, c'est entre, ça dépend, tout dépend de ce que tu veux faire, mais c'est entre 5, 10 et 20 ml. Donc là, évidemment, je vais mettre 10 ml, ça suffira largement parce que j'ai pas rempli mon seau. Et après, si tu mets un seau avec une grosse quantité ou dans un canon mousse, je pense que 20 ml, ça serait judicieux. OK. Donc là, maintenant, ce que je vais faire. Bon, maintenant, j'ajoute le scellant. Donc ici, tu as un petit réservoir. Donc en fait, soit tu appuies, voilà, ou alors soit tu fais comme ça, voilà. Et là, il va le remplir. OK, là, on est environ à 20 ml. OK, donc là, tu as juste à faire comme ça. Tu vas le verser, il versera pas plus de 20 ml. Voilà. OK, maintenant, je mets mon gant, je le mélange et on y va. Bon, logiquement, tu peux le mettre au départ et puis après, tu rajoutes de la flotte, hein, évidemment. Hein. Bon, là, je te montre pour l'exemple, mais bon. OK, allez. On met ça sur la carrosserie. Par contre, une chose qu'il faut préciser, c'est que quand tu mets du CO2 infusé de céramique ou un scellant, etc., ça t'absorbe la mousse. Ce qui fait que du coup, tu vois, le shampoing mousse beaucoup moins. Et ça, c'est souvent le problème avec les shampoings cirants, c'est que tu n'as pas beaucoup de mousse. On retrouve cet effet justement en rajoutant le produit. Donc, on aura un peu moins de mousse. OK, voilà. Donc, par contre, là, tu vois, je vais le mettre dessus. Donc, du coup, ça risque de déperler après. Donc, on verra bien. On va tester maintenant. Bon, là, je vais rincer la partie qui n'a pas été traitée avec le scellant. «
Ok, tu vois, bah ça. Ah, ça déperle pas, hein, c'est normal, hein, c'est un shampoing neutre, pas d'agent cirant, pas d'effet CO2 boost, etc. Voilà, on n'a rien. Maintenant, l'autre côté. Bon, maintenant, l'autre côté. Voilà, tu vois l'effet déperlant? Ah, il n'y a pas photo, regarde. Voilà. Voilà, donc j'ai transformé un shampoing neutre qui n'a pas d'agent cirant et qui n'a pas d'effet déperlant en shampoing scellant céramique avec évidemment un effet déperlant. Donc ça évidemment, tu aurais la même chose avec ton canon mousse, etc. Attends, il n'y a pas de souci. Hein. Je dirais même à la limite, je pense que ça marche mieux avec le canon mousse parce que ça se mélange mieux. Bon, comme tu as pu voir, je viens de mettre de l'eau déminéralisée d'environ, là il y a environ entre 700 et 750 ml, tout dépend, voilà. Ensuite, je vais prendre mon boost, je vais mettre environ 10 ml, ça suffira largement et on aura une spray wax, ce qui fait que du coup, ben, ça te reviendra beaucoup moins cher qu'à chaque fois acheter un spray 750 ml. Ok, allez, voilà, là j'ai mis 10 ml, je le mélange et c'est bon. Bon, là cette fois-ci j'ai pris le Kia parce que j'ai l'impression que malgré le polissage, la céramique résiste. Alors, en plus c'est une céramique M3 que j'ai mis, donc c'est du plutonium la céramique que j'ai mis. Bon bref, comme ça on va voir, ici, ok, voilà, tu vois, là ça déperle pas, il n'y a rien, de chez rien. Ok mon fiou, donc je l'essuie et je vais passer le spray, là je passe le spray directement par-dessus. C'est parti, je vaporise, voilà, c'est parti. Ok, ça se retire en 2 secondes. Alors, il faut savoir que pour les sprays, tu mets environ 10 ml de produit. Sachant qu'il y a la quantité, il y a environ, bon, on va dire, il y a plutôt, parce qu'il parle de 250 ml, mais bon, j'ai l'impression qu'il le remplit à 200 ml. Bref, 200 ml, bah, ça te fait combien? Bah, ça te fait 10 sprays. 10 sprays. Bah, c'est super rentable. C'est l'un des produits le plus rentable que je connaisse, puisque c'est des produits concentrés. Parce qu'il faut savoir une chose, Effio, c'est que les spray wax que tu achètes dans le commerce, ils sont extrêmement dilués. Donc là, du coup, bah, tu as un produit pur et tu vas faire des économies. Allez, on va tester. Tu vois la belle brillance qu'on a? Après, je sais pas si tu verras, mais bon. Voilà, on a une belle brillance, on a, tu vois, on a une belle glisse et tout, ouais. Impeccable. Ah, bah, c'est un spray wax, quoi. C'est assez long en spray. Voilà. Allez, on va tester. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Regarde comment ça déperle de ouf. Voilà. T'as vu ça? Par rapport à tout à l'heure, est-ce que tu le verras bien? Voilà, j'espère que tu verras mieux. Regarde. Voilà. Là, on a un effet déperlant. Tu vois. Après, c'est pas un effet déperlant oufissime avec des grosses perles, mais c'est ce qu'on va retrouver dans l'esprit. Hein. Voilà. Donc là, tu as une protection, une petite protection. Voilà, ça dure pas longtemps ces trucs-là, tu vois. Mais tu as une petite protection sur base de céramique, tu as un scellant, un spray, tu as un effet déperlant. Voilà. Donc là, j'ai mis que 10 ml de produit, je les mélange. Alors tu peux le mélanger avec de l'eau flotte, mais tout dépend si ton eau est calcaire. Donc il vaut mieux mettre de l'eau déminéralisée, au moins tu es tranquille, ça coûte pas trop cher. Et tu fais ton mélange, ben, compte les économies que tu fais. Je récapitule bête mon fio. Donc, d'après la marque, il aurait une durabilité de 4 mois à vérifier. Ensuite, il éviterait les taches d'eau lorsque tu t'en sers en hydro. Tu le mets dans un canon mousse, tu vaporises, tu rinces et tu te barres. Parce que généralement, les hydro, pas tous, mais ils font des taches d'eau. Apparemment, celui-ci l'éviterait. Bon, vu le temps qu'il fait en ce moment, il fait dégueulasse, il fait que de pleuvoir. J'ai pas pu le tester, donc ça, c'est à vérifier. Alors, concrètement, c'est l'un des produits le plus économique que j'ai testé. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec un dosage de 10 ml, tu peux faire 20 sprays. Et avec un dosage de 20 ml, évidemment, tu feras 10 sprays. C'est super économique. Alors, comme tu as pu le voir tout à l'heure, j'ai comparé à celui
celui-ci, Miguel's, version professionnelle qui coûte environ 50 balles. Eh bien, concrètement, en termes de brillance, c'est kiff-kiff. En termes de toucher de glisse, c'est pareil. Par contre, le Miguel's déperle, mais vraiment un chouïa. Mais quand je te dis un chouïa, c'est vraiment un chouïa. Donc, t'en fais un hydro. Tu transformes tes shampoings en shampoings sur base de céramique déperlant. T'en fais un spray. Bref, c'est juste une dinguerie. C'est pour ça que je t'ai dit que cette année, eh bien là, ils ont fait des produits innovants. Infinity Wax, ils sont vraiment bien. Alors, tu vas me dire, ouais, Padre, mais tu vas chez AliExpress, tu vas chez Action, tu vas chez Lidl, ils ont aussi des produits bon marché. Je dis pas le contraire, mais eux, ils sont sur des anciennes générations. Là, on est sur une base de céramique. Et concrètement, tu feras pas mieux. En termes de prix, tu feras pas mieux. Donc, si vraiment tu veux un produit polyvalent, super économique, je te conseille celui-ci. Concrètement, ça fait longtemps que je suis pas surpris par un produit en termes d'innovation et surtout en termes d'économie. C'est juste une dinguerie.